Maintenant. Bon, ça, on va les faire sauter, vous comprendrez assez vite pourquoi. Le commandeur FTU a construit une puissante position d'artillerie sur un plateau à l'ouest de votre base. De là, il peut bombarder tout ce qui s'approche. Nous vous recommandons de détruire son artillerie. Chorale terminée. Donc ici, on va faire ça. La FTU ne cessera jamais de combattre les Aeon. Sauf si on arrive à faire une paix. Ce qui est pas facile. Donc on va faire ça, 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 ça. Et normalement, on va avoir assez de ressources pour jusqu'à la fin de la partie. La base FTU est bien défendue. Mais une solide offensive avec des robots de siège, soutenus par des pièces d'artillerie lourdes mobiles, devrait percer la ligne défensive. Chorale terminée. Exactement. Voilà, donc ici on va... On va mettre en place nos usines. Celles-ci vont être rasées aussi. Celles-ci aussi. C'est vrai qu'il... Moi j'ai le défaut de toujours faire des grandes lignes pour fabriquer mes usines, mais c'est vrai que c'est préférable quand même qu'ils soient dans la base, hein, les usines, pas à l'extérieur. Je l'admets totalement. Juste, ouais, en solo, je peux me permettre de faire des choses que je ne ferais pas en multi. Et pour ceux qui se posent la question comment je joue encore en multi au jeu, j'utilise... comment il s'appelle ce logiciel? C'est un logiciel à part que j'ai téléchargé. Je sais plus son nom, excusez-moi, j'ai trop de mémoire sur le nom du logiciel. En gros, je prends un logiciel parallèle pour pouvoir faire des parties avec les personnes. Quoique, je vais garder des usines terrestres dans la base par contre. Je les démolis, c'est pas grave. Mais en garder 3. Ce commandeur FTU s'inclinera devant la championne de la princesse. Chorale terminée. Voilà. Comment il s'appelle ce logiciel? Moi, je sais plus. En gros, il y a plein de jeux qui aujourd'hui n'ont plus de multijoueur. Je vous rappelle que Supreme Commander était fait par THQ. Et de ce fait, THQ n'existant plus, ben... Vous voyez le problème? Donc, il y en a qui ont développé... en gros, c'est un logiciel de partage réseau. En gros, vous êtes tous connectés ensemble. L'humanité depuis trop longtemps. Ce qui est... Vraiment agréable, j'ai refait récemment une partie, c'était sur Supreme Commander Forgot Alliance, donc son extension, enfin son standalone. Et j'ai pris un plaisir d'y rejouer, mais waouh. Et la question, est-ce que je vais faire Forgot Alliance? Oui, je vous filmerai, soyez juste patient, je termine d'abord celui-là. Vous avez déjà vaincu plusieurs commandeurs FTU, championne. Celui-là ne devrait pas prendre longtemps. Chorale terminée. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié. Ouais, ils ont bien tous été attaqués. Je me demande s'il me faut ou non... Je pense qu'avec 20 transporteurs ça devrait suffire, mais j'ai un doute. Que là je vais vous montrer une petite chose qu'il faut savoir, ben, qu'on sait pas forcément quand commence le jeu. Hein. Voilà. Parfait. Donc vous. Toc, toc, toc. Si vous pouvez même faire tout ça, easy, hein. Ça me surprendrait. Donc deux ici, deux là, 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 deux là,
de là. Usine terrestre en position pour me fabriquer des troupes ici. Enfin, envoyer mes troupes là. 1, 2, 1. Voilà. À l'infini. Voilà. Même 1, 2, 2, même. 1, 2, 2. 1, 2. Ouais, il faut toujours plus de robots que d'artillerie pour information. Pour ceux qui se demandent pourquoi, je vous réponds, c'est très simple. Hein, il faut... L'artillerie, c'est bien, ça fait des dégâts à distance, mais vous faites comment s'il y a des troupes qui arrivent à votre contact. Voilà. D'où le fait que je choisis toujours du... Enfin, je choisis toujours... je préfère faire du 4, en gros du 2 pour 1. C'est pour cette raison, tout simplement. Donc deux unités de corps à corps pour une unité d'artillerie. Parfois je fais même du 4 pour 1. Mais je trouve ça beaucoup, c'est pour ça que je préfère avoir 50% plus d'unités au corps à corps par rapport aux unités à distance. Et ce qui se passe là, c'est qu'en gros... Ah, normalement en fait ils remplissent toujours eux-mêmes, puis après ils transportent le truc. Donc, ouais, j'aurais dû mettre plus loin mes usines. Et c'est comme ça que vous évitez d'avoir un long trajet avec plein... Voilà. Bon, c'est pas grave, nous on s'en fiche tant qu'on a nos troupes, c'est le principal. Voilà, et en réalité j'aurais pu en mettre que... J'aurais pu en mettre que 4, hein. Enfin que 1 par usine, parce que c'est pas encore trop loin. Hop 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 hop, oh punaise, oh punaise, oh punaise. Ce commandeur FTU s'inclinera devant la championne de la princesse. Oh punaise. J'avais totalement zappé cette étape là en fait. Totalement zappé l'étape, attention, vous risquez de vous faire attaquer vos transporteurs. Ah bon, c'est pas encore trop grave. Ça, les pertes, ça arrive, hein. La FTU ne cessera jamais de combattre les Aeon. Voilà. Ici, on traverse les boucliers. Comme ça. Voilà. Ouais, j'ai quand même perdu beaucoup de matériel quand même. Je crois qu'il... Ouais, voilà. La grande différence en plus avec les autres artilleries, c'est que celle-ci n'a pas besoin d'être déployée pour pouvoir tirer. Mais je crois qu'en contrepartie, il y a une portée inférieure. À confirmer par contre pour apporter. J'ai jamais fait attention. Et vu que j'adore être en mouvement, pour moi ça m'arrange d'avoir une artillerie qui puisse tirer en mouvement en fait. Voilà, boum, boum, boum. Voilà. Mes usines vont stopper. Voilà. D'accord, ceux-ci ne seront pas transportés, très bien. Donc, tous mes transporteurs, je vais raser, parce que je vais en faire que 10. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de plus en fait. Voilà, vous voyez, 52 robots pour 12 artilleries, c'est pas... Pour moi, ça me surprend pas, en fait, d'avoir tellement de robots en plus par rapport à mon...
En théorie, on va avoir 12 artilleries de plus, c'est vrai. Vu que j'en ai rasé 12 de l'autre côté. Allez-y! Allez-y, Corona! Prends tes frelons! Qui pique le plus fort? Vache, allez, on envoie ça. Alors, ils sont armés de quoi, eux? Seraphine, d'unité. Canon automatique, dépassement quantique, terrain obus explosif. Ok. Oh, Blake! Ils sont pas morts? Non, ça a l'air tombé qu'il va le détruire. Ah non! Putain, les dégâts, ça fait largement plus mal! L'avatar Markson remportera cette guerre, pas vous! Le chemin de l'avatar n'est pas la voie. S'il s'impose, nous perdrons tout ce qui nous est précieux. Non! Nous avons triomphé de nos ennemis, qui ont compris leurs erreurs. La galaxie sera enfin purifiée. Modèle d'unité transmis. Ouais. Normalement, le robot aurait dû être mort. Nous détectons une unité de la base d'Ariel se déplaçant vers votre position. C'est un colosse galactique. Ariel a construit un colosse. Je vais tuer votre championne, princesse. Votre cause est perdue. Voilà. Ah là, j'ai exécuté ce qui reste. Bon, ils sont quasiment morts, j'admets, mais bon. Ils auraient dû mourir, quoi. Bon, il me reste de l'artillerie quand même. C'est le principal est là. En fait, le colosse départ d'ici, il va traverser le fleuve là, à peu près. Bah voilà, on sait où il y a le colosse. Ah, on voit pas? C'est trop profond? Ouais, je peux vous affirmer qui est là le colosse. Hein. Mais vous pourriez pas plus me dire quand même que j'ai envoyé Risa s'occuper de ça, que j'ai pas envoyé mon commandant, hein, s'occuper de mes missiles stratégiques. Ah là 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 là, vous avez fait exprès, j'en suis sûr. Je peux pas vous faire confiance. Oula, oula. Hein, il est pas encore une cause galactique? Y'a ce qui fait flipper là. Cause galactique, tu es où? Bon bah. L'avatar me récompensera quand il saura que votre championne n'est plus. Ça m'inquiète là. Bon. Les troupes amphibies de manière générale sont faibles, hein. C'est que des. Vous voyez, c'est du tech 1. C'est le souci des Ion. Leurs troupes terrestres amphibies sont assez faibles. Mais c'est pas trop grave, je trouve. C'est avec cette armée là, j'arrive pas à repousser le cause galactique, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Que oui, il y en a qui ont accès au prototype, d'autres non. Hein.
Vraiment, je parle de la catégorie qui n'ont pas accès au prototype. J'ai beau être le champion de la princesse, non, vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Je suis attristé d'avoir à éliminer un Aeon, mais je ferai mon devoir. Faire ton devoir, mais éliminez-moi. À moins que ce Galactique soit jamais parti, mais. Eh, c'est quand même inquiétant ça. Bon, il est sur un plateau, c'est pour ça que je fais des. Je prévois des missiles stratégiques, c'est pour le plateau. Ça. Avant de pouvoir poursuivre l'avatar, vous devez vaincre Ariel, aura terminé. Ah bah voilà le cos galactique. Bon. Quoi, c'est le summon de la machine, c'est presque dommage de voir en détour un, mais bon, je suis d'accord avec eux. Mais pas le choix, c'est ça ou c'est ma mort. On a retiré des cas en position, elle tire dessus. Alors en fait, les prototypes sont ultra puissants. Mais il faut très vite submerger par le nombre. Ce qui est logique d'un côté, d'un certain côté. C'est pour ça qu'il faut toujours accompagner les unités comme ça par d'autres unités, des causes galactiques, par des robots, etc. par exemple. Vous voyez au final, je vais faire une vingtaine de robots pour un cause galactique, ce qui est raisonnable. Hein. Il est plus facile de construire des robots que des causes galactiques. Le colosse est détruit. Je répète, le colosse est détruit. Ce n'est pas fini, princesse. Je vais me prévoir. Voilà. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Bah bon, par contre, vos défenses, après que la ville soit rasée, on s'en fiche. Mes défenses ont largement tenu le coup, hein, de... Ah, je vais vous montrer une petite technique. Acheminer, en gros, vous créez... Voilà. Base de transport. Zone de transport, là-bas. Vous mettez toute une escouade en soutien. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, vous demandez à votre armée d'aller là. Et tous les transporteurs vont aider à l'acheminement. Ah non! Ah, ils l'ont corrigé! Merde! Merde! Ah non, voilà, faut prendre les squads. Voilà, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une connerie. Faut prendre les squads entières et demander acheminement. Voilà. Voilà, c'est moi qui ai fait une fausse manip. Hein. Alors, c'est ultra pratique par contre, ça je vais pas le nier du tout. Pour deux raisons. C'est qu'au moins, voilà, vous avez besoin par exemple d'acheminer une immense armée. Mais toujours le même trajet. Par exemple, vous pouvez demander à vos usines d'aller là-bas. C'est pratique, mais pas forcément. Le problème, quand vous demandez à des usines, parfois vous avez besoin d'avoir vos troupes à haute base qui vous défendent pendant un petit coup, puis après de les envoyer au front. En tas de cheminement, c'est que vous pouvez faire un chemin beaucoup plus complexe. Par exemple, je vais vous prouver le cas. Hop. Ah, attends, on le fout ici. Voilà. On peut faire un chemin beaucoup plus complexe. Voilà, je vais vous l'illustrer quand même. Enfin, non, vous trois, vous allez en bas, vous deux même, vous allez là-haut.
À moins que je sache plus comment on fait, mais normalement, il va suivre le chemin là, déposer ici au point final. Donc là, on va mettre au milieu de mon armée. Voilà. Et ce qui vous permet. Après. Ah, voilà. Après, il retourne là-haut. Voilà. Vous allez me dire, mais. C'est ultra fumé. En fait, oui, ça vous demande beaucoup de micro-gestion, mais ça peut être ultra pratique, par exemple, pour contourner un long périmètre ennemi. Je vous fais une supposition. L'ennemi est fortement retranché à la passe là, fortement ici, fortement là. Mes usines sont ici. Donc j'ai promis mes troupes, si je fais un acheminement, si je demande à mes troupes à aller là, bah l'usine, un souci. Après on peut toujours demander au pire à l'usine, bah tu me produis là-bas, puis là. Le transporteur va suivre là. Solution numéro 1. Solution numéro 2, bah on demande l'acheminement. Beaucoup plus facile à mettre en place, ça demande moins de temps. Et voilà. Donc à vous de voir comment vous préférez utiliser votre technologie. Moi j'ai fait mon choix. Avant de pouvoir poursuivre l'avatar, vous devez vaincre Ariel. Chorale terminée. Et au moins, c'est vrai que vous n'avez pas présenté ça dans les missions d'avant. Hein, parce que l'acheminement, en fait, en solo n'est pas utile, en multi est ultra utile. Parce que vos usines, vous les enverrez jamais en première ligne en multi, qu'on soit honnête. Vos usines seront. Vous aurez toujours des usines de front. Qui seront soit à une de front, mais ça c'est tout à fait normal. Et vous aurez ce qu'on appelle vos usines de. Enfin, ce qu'on appelle. Ce que j'appelle plutôt, devrais-je dire. C'est les usines de arrière, c'est-à-dire vos usines principaux, qui produiront en permanence des troupes. Généralement des troupes d'élite, hein, c'est pas les petites troupes qu'on trouve. Et au Redibois, non, c'est vraiment toujours des troupes ultra puissantes qu'on trouve dans ces usines-là. Généralement, en ligne de front, on trouve les usines en fait d'appoint. C'est des usines qui vont compléter les troupes qui nous manquent, par exemple de la DCA en urgence, etc. Donc voilà, c'est. Non, arrêtez, vous allez me. Je vais bourrer un silo de nuke et on va s'amuser un peu au nuke. Hein. Voilà. Alors, détour ici, vous détruisez des tourbets de lancement, ce qui permet d'enlever tour sourceur patrouille. Parce qu'ils n'en ont pas à d'autres endroits. Et ici, vous constatez une défense carapace. En réalité, il y en a deux de mémoire. Normalement, il y en a deux. Donc, on va. Avant de pouvoir poursuivre l'avatar, vous devez vaincre Ariel. Chorale terminée. Voilà. On balance que nuke. La nuke juste derrière. Comme ça, si on advient deux, ben tant pis. Si on a qu'un, c'est tant mieux. Et un ICBM envoyé. Je suis un gros tricheur. Nananananer. Allez, 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 nuke, allez, 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 allez. Ah, y'a un. Ah! Ça va pas le faire. Donc, me faut un double raid de bombardier stratégique. Pas grave, ça arrive. Hein. Oh! C'est une bien triste journée. Un Ion a tué un autre Ion. Cette guerre doit prendre fin pour le bien de tous. Revenez, champion. What the. Bon, bah, le gars est débile. Il n'y a pas de missile anti-missile stratégique. Bon. De Princess Burke à championne. Après victoire sur Ariel et la défection de raison envers Markson, la grande majorité des commandeurs ont désavoué l'avatar. En fait, de nombreux membres du gouvernement ont proclamé publiquement leur soutien.
Votre action en mon nom a rendu tout cela possible. Mais ne s'arrêtons pas. Pour garantir au futur, Markson devra comparaître en justice pour ses crimes. Alors, la galaxie pourra être considérée comme sauvée. Et c'est ainsi que nous terminons cette vidéo pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette mission en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.